monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment étudier au Canada sans le CAC, ok? Donc, si vous êtes un futur étudiant international au Canada, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous aide ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre et pourquoi pas à me poser vos questions dans les commentaires ou inbox. Sur ma page Facebook Alliance Marie ou sur mon compte Instagram Marie Ghislaine. Cependant, je tiens à préciser que si ça fait un bout que vous m'avez posé votre question et je n'ai toujours pas répondu, je m'excuse. En ce moment, je suis vraiment très prise avec l'université et le travail. Donc, j'ai un peu du mal à trouver un petit temps pour répondre sur mes réseaux sociaux et tout. Mais je vous garantis, si je vous ai promis que j'allais faire des recherches, ça se pourrait que ça arrive à un moment tard, mais ça va arriver. Donc, sans plus tarder, intéressons-nous au but de la vidéo, ok? Donc, cette vidéo a pour but de vous aider à pouvoir étudier au Canada sans des longs délais, sans attendre des mois et des mois après le CAC, ok? Comme vous le savez, le CAC, qui est le certificat d'acceptation du Québec, ça va être vraiment un document qui est lent à obtenir et cher quand même en matière de coûts, ok? En ce moment, il équivaut à peu près à 117$, soit environ 70€, ou si vous pouvez convertir en francs CFA, il suffit de prendre 1$ canadien égale tant de francs CFA et vous faites la règle de 3. Donc, une fois de plus, pour pouvoir étudier vraiment au Canada, vous n'avez pas besoin obligatoirement du CAC, à moins que vous vouliez travailler, étudier, immigrer ou vivre au Québec, ok? Le Québec, c'est vraiment la seule province ici au Canada qui exige le CAC. Donc, le Québec, lui, a sa propre politique en matière d'immigration. Il a la possibilité de pouvoir choisir, lui, le genre d'étudiant étranger qu'il veut accepter, d'immigrants, de travailleurs qualifiés, etc., etc. Donc, dans le fond, la vidéo, on va parler des universités, des collèges qui vont être choisis par rapport à deux critères. Le premier critère, c'est que ces collèges-là ou ces universités-là se retrouvent vraiment en dehors du Québec. Et le deuxième critère, c'est que le cursus d'enseignement est complètement en français. Donc, si vous êtes francophone, mais vous ne voulez pas étudier obligatoirement au Québec, cette vidéo, c'est votre solution. Cette vidéo va venir vous donner vraiment va vous donner des informations sur les différentes universités qui existent en dehors du Québec et qui enseignent principalement en français. Donc, si l'on commence au début, on va parler du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, ça va être une province canadienne où la plupart du temps, elle va être, pas la plupart du temps, elle est bilingue, ok? En dehors du Québec, oui. Le Québec est principalement francophone, ok? Principalement, genre, majoritairement francophone. Mais le Nouveau-Brunswick, lui, il va être anglophone et francophone, ok? Donc, au niveau du Nouveau-Brunswick, on va avoir l'Université de Moncton. L'Université de Moncton, lui, va dispenser certains programmes en français. Okay. Donc, ce n'est pas toute l'université qui est vraiment francophone, mais elle va offrir certains programmes en français. Maintenant, en matière de coûts de formation, sachez que au premier cycle, donc au niveau du baccalauréat, les coûts de formation pour une session peuvent aller jusqu'à 13 000$ canadiens. Et pour ce qui est du deuxième cycle, c'est-à-dire la maîtrise ou les deux ES, ça peut aller entre 6 000 et 18 000$, ok? Donc, c'est quand même abordable. Le deuxième collège, ça va être le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Lui aussi va dispenser des enseignements en français. Et en troisième lieu, on va avoir centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Comme dit médical, vous allez vraiment avoir des programmes qui sont dans le domaine vraiment de la santé et les formations sont données en français. Et le quatrième collège du Nouveau-Brunswick, ça va être Maritime College of Forest Technology. Comme ça dit Forest Technology, donc tout ce qui concerne la formation forestière. Maintenant,
Au niveau de l'Ontario, on va avoir l'Université de l'Ontario français, comme le nom l'indique. Les cours vont être donnés en français. Et la deuxième université, on est toujours au niveau de l'Ontario, ok? Donc, les noms que je vais vous donner, ça va être vraiment au niveau de l'Ontario. On va avoir l'Université d'Ottawa. Oui, à l'Université d'Ottawa, il y a certains programmes qui vont être donnés en français, mais lui, tout le cursus n'est pas francophone, ok? Donc, au niveau du premier cycle, bon, je ne vous l'ai pas dit au niveau de l'Université d'Ottawa, le premier cycle, les coûts de formation peuvent commencer à partir de 36 000 $. Ça, c'est le premier cycle. Et au niveau du deuxième cycle, ça peut commencer à 16 000 $. Troisième université, pardon, au niveau de l'Ontario, toujours, on va avoir l'Université de Toronto. Au niveau du premier cycle, les frais de formation plutôt, peuvent commencer à 38 000 $. Deuxième cycle, ça peut commencer à partir de 16 000 $. Je m'excuse, c'était mon chat. Faites pas attention. Quatrième université, on va avoir l'Université de Laurentienne. Lui, les premiers cycles, les prix vont commencer à partir de 25 000 $. Deuxième cycle, à partir de 13 000 $. Okay? Et là, les formations vont être en français. Et en plus, sachez que l'Université de Laurentienne donne quand même des formations en soins infirmiers à distance. Okay? Et à temps. Non, à temps complet, mais à distance. Donc, pour les gens qui ne le savaient pas, vous pouvez faire des formations en soins infirmiers à distance avec l'Université de Laurentienne. Un autre université, toujours au niveau de l'Ontario, on va voir l'Université de Sudbury, l'Université Guelph Campus Alfred. Là, les formations au niveau du premier cycle, les frais peuvent commencer à partir de 11 000 $ et 6 000 $ pour le deuxième cycle. Donc, ça varie vraiment, hein. C'est impressionnant. Le premier cycle est plus cher, le deuxième cycle est moins cher. On va voir aussi le Collège universitaire dominicain, le Collège militaire royal du Canada, l'Université de Hearst, le Glendon College, le Royal Military College of Canada, le Collège Boréal, le Collège La Cité, le Collège des Grands Lacs. Bon, le Collège Boréal, le Collège La Cité, je pense qu'il y a déjà une abonnée qui m'a posé des questions là-dessus. Oui, ces programmes, cette université, ou pas cette université, ces collèges-là sont au niveau de l'Ontario et vont disposer des cours en français. Et donc, oui, pour pouvoir aller y étudier, tu n'as pas besoin d'avoir le CAC, tu n'as pas besoin d'avoir le certificat d'acceptation du Québec. Tu fais simplement ta demande d'admission, elle est acceptée, tu te lances pour ton permis d'études et voilà, tu arrives, tu commences tes cours, tu n'auras pas besoin de présenter la demande du CAC. Donc voilà. Et ensuite de ça, on va voir le Collège des Grands Lacs et l'Université Saint-Paul. Là, on était vraiment au niveau de l'Ontario. Maintenant, pour ce qui est de l'Alberta, pardon, on va avoir le Campus Saint-Jean et l'Université de l'Alberta. Le campus Saint-Jean, lui, va donner vraiment beaucoup de programmes en français, et tandis que l'Université de l'Alberta va donner certains programmes, ok? Moi, j'ai vraiment essayé à partir des critères, c'est-à-dire hors Québec et le cursus complet en français. Mais bien évidemment, quand je faisais des recherches, j'ai vu qu'il y a certaines universités qui vont donner des formations tout en français, et il y en a d'autres qui vont donner vraiment certains programmes. Donc, j'ai pas eu le choix de vous en proposer quand même parce qu'on ne sait jamais. Ensuite de ça, on va voir le Nouvelle-Écosse. Au niveau de la Nouvelle-Écosse, vraiment, on va voir l'Université Sainte-Anne. Okay? Au niveau du premier cycle, les formations vont commencer à partir de 11 000 $, et à partir du deuxième cycle, vont commencer aussi au niveau de 11 000 $. Ensuite de ça, toujours à la Nouvelle-Écosse, on va voir le Collège de Lille. Collège de Lille, beaucoup, beaucoup de programmes en français. Ensuite, on arrive au niveau du Manitoba. Au niveau du Manitoba, on va avoir le collège, non, pardon, l'Université de Saint-Boniface. L'Université de Saint-Boniface, lui, il va vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes en français. Et là-bas, les formations, j'ai juste pu trouver vraiment plus au niveau du premier cycle, où les frais peuvent commencer à partir de 9 000 $. Donc, c'est quand même abordable.
Au niveau du territoire du Nord-Ouest, on va avoir le Collège nordique francophone. Comme son nom l'indique, Collège nordique francophone, il va avoir vraiment beaucoup, 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 beaucoup de programmes en français. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et au niveau du Saskatchewan, lui, j'ai toujours du mal à le prononcer. On va avoir le Collège Mathieu, l'Institut français et l'Université de Regina. Au niveau de l'Université de Regina, là-bas, les coûts de formation au niveau du premier cycle vont commencer à partir de 21 000 $ et au niveau du deuxième cycle vont commencer à partir de 8 000 $. Donc, c'était un peu ça ma petite liste, ok? Je sais que vous vous en êtes rendu compte que j'ai donné des coûts de formation pour certaines universités et pas pour d'autres. C'est-à-dire que l'information n'était pas vraiment disponible. Le seul moyen d'avoir des informations consisterait donc à appeler ces universités-là pour pouvoir se renseigner ou aller postuler directement à un de ces universités-là en fouillant les programmes. Donc, moi, je vous laisse ce côté-là, d'aller faire les devoirs de ce côté-là. Si parmi les universités que je vous ai mentionnées, il y a, je sais pas, un ou deux universités qui vous ont intéressé, allez simplement les consulter. En plus de ça, le lien, ok, le lien qui m'a vraiment permis de pouvoir faire cette vidéo va se retrouver en bas d'infos. Vous pouvez toujours cliquer là-dessus pour avoir plus d'informations concernant l'université de votre choix. Et sachez qu'il y a, y a vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses que vous pouvez trouver là-dessus. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Cette fois-ci, c'est promis, ok? Des fois, je vous dis le lien en barre d'infos, mais j'oublie de le mettre. Allez voir le lien en barre d'infos. Si vous êtes capable de trouver d'autres informations, pourquoi pas? Mais sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir.